Nous sommes sur le site de la ferme maraîchère de Moissy-Cramayel, on l'appelle aussi la ferme urbaine. Voilà, on veut simplement vous dire qu'on est très contents parce qu'on a depuis quelques jours obtenu la certification bio. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, depuis 2017, on plante donc des légumes sur ce terrain de 2,5 hectares progressivement. Et vous savez que ces légumes, ils sont destinés donc aux enfants de nos écoles. C'est-à-dire que dans nos restaurants scolaires, les enfants mangent les légumes produits ici. Évidemment, on voulait obtenir cette fameuse certification bio. Seulement, ça a été un peu long. En effet, il a fallu deux années de maraîchage pour que, progressivement, les terres, à force d'être cultivées, se nettoient, perdent les engrais, les pesticides qu'elles avaient emmagasinés. Donc, il a fallu du temps, deux bonnes années. Ensuite, on a fait appel à une société privée qui est labellisée pour elle-même labelliser, donc certifier bio, les cultures maraîchères comme celle de Moissy. Donc, cette certification, elle sera renouvelée régulièrement. Mais c'est vrai que pour nous, c'est déjà une belle première phase, pas un aboutissement, mais c'est une première phase importante par rapport à la qualité de ce qu'on sert donc dans les assiettes de nos enfants. Donc, ce challenge, il a été un travail d'équipe qui n'avait pas vocation véritablement à travailler ensemble. Hein. L'équipe des espaces verts, l'équipe de la restauration scolaire et l'équipe aussi des élus, puisque nous avons été bien porteurs de ce projet-là. Hein. Nous avions cette ambition forte de donner aux enfants de la ville une nourriture saine. Chaque année, nous avons avancé dans la diversité des plantations, dans la surface utilisée pour faire des plantations. Les enfants ont participé aux plantations de certaines graines. Les parents ont été invités chaque mois d'octobre à venir récolter des courges, parce que c'était ce que nous avons planté en premier lieu. Regardez nos belles tomates, elles sont servies aux enfants de la restauration municipale, de la crèche jusqu'à maternelle et élémentaire, ainsi que pour le portage des repas aux seniors.